Et bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition in-game du Salon Intergalactique Bonjour à tous et Aerospace bienvenue dans cette Expo de première Lorville. édition in-game du Salon. Alors évidemment, dans le lore de Star Citizen, alors on peut voir qu'ils ont aussi bien cassé la FOIP. Donc dans le lore de Star Citizen, ce n'est pas la première édition du Salon du vaisseau spatial. Mais pour nous, en tout cas, c'est bel et bien la première édition. Donc le salon va ouvrir ses portes d'une minute à l'autre. Alors on navigue vraiment sur un océan inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que d'abord est-ce qu'ils vont être à l'heure, Robert Space Industries, comme tout le monde le sait bien. Ouais, on peut voir que mon visage ça marche pas très bien. Donc comme on le sait, Robert Space Industries est rarement à l'heure pour ses présentations, et comme c'est le sponsor principal du salon, nous verrons bien. Donc l'entrée du salon se trouve juste derrière moi, là comme vous pouvez le voir. Donc pour le moment il n'y a pas encore foule et c'est réservé strictement aux journalistes dans un premier temps. Petit peu de RP ne nous fera pas de mal. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc en ce premier jour de salon, on devra voir la présentation donc de la marque Anvil au sujet d'un nouveau vaisseau appelé le Arrow. Donc on a que très peu d'informations. Ouais, salut, ça marche bien la FOIP. Salut Red. Donc on a que très peu d'informations à ce sujet-là, mais on devrait avoir aussi le Gladiator, toujours sous la marque Anvil, et leurs autres modèles de vaisseaux d'attaque comme les Hornets et toutes leurs variantes, ainsi que leur chasseur lourd, l'Hurricane. En exploration, on aura le Terrapin, et pour finir, leur tout nouveau dropship qui a été mis en vente que très récemment, qui est le Valkyrie. Et bonjour à tous nos téléspectateurs qui viennent de rejoindre. Alors, il est 16h passé, donc je propose qu'on aille voir, après une petite gorgée de ce très bon café qui nous vient d'une compagnie suisse du système solaire, précisément sur la Terre, dont je tairai le nom. Alors, je vois des gens ressortir, donc à mon avis, ne doit pas être tout à fait activé. Eh ben non! Oh, quelle surprise, ils sont en retard! Oui, j'ai des petits spasmes faciales. C'est pour ça que vous me voyez bouger complètement. Je tremble beaucoup. Mais ça doit être le café. Pour le RP, nous dirons que c'était bien le café. Alors, faute d'ouverture du salon dans les temps, on peut voir que Robert Space Industries a mis les bouchées doubles. Hein, nous aurons le droit à une magnifique décoration et une signalétique. Des fois, qu'on ne serait pas capable de trouver l'entrée du salon. Non, c'était très bien indiqué, très bien décoré. Oui, c'est vrai que je mâche aussi un très bon chewing-gum, mais non, on va plutôt mettre ça sur le café. Donc voilà, donc effectivement la décoration, ils ont mis les bouchées doubles, hein, c'est très bien décoré, ça donne vraiment toute nouvelle skin à l'aéroport, c'est vraiment sympa. Alors en ce qui me concerne, c'est la première fois que je vis le salon un salon in-game de vaisseaux spatiaux. Alors évidemment, ce salon fait maintenant concurrence au salon très connu de Genève sur le système solaire, hein, qui était donc à l'origine il y a pas mal de siècles, hein, le salon des véhicules avec quatre roues là. C'était amusant. Aujourd'hui, ça reste toujours un salon très important du vaisseau spatial, mais maintenant c'est quand même celui de Lorville qui a pris le pas. Donc ici, les futures loges hein, des grands financeurs du salon, le ticket VIP hein, pour les grandes personnalités qui seront présentes.
Alors, quelqu'un qui essaie de m'envoyer des invitations sans casque, je ne peux malheureusement pas voir qui c'est. Aïe aïe aïe, on va arrêter le mode facial. Ah, petit selfie en direct de leur ville, hein. C'est du Tissa Spaceport. Alors, faute de salon, je vous propose quand même d'aller voir un autre sponsor du salon qui est New Deal. Donc, le vendeur agréé de notre. Ah, c'est toi les invitations, vas-y renvoie alors. Ah, pour me parler maintenant, faut comme ils ont cassé toute la. Enfin. Le réseau actuel de VOIP est en cours de maintenance, donc il est très compliqué de se parler. Donc New Deal, effectivement, qui est l'un des sponsors officiels du salon, qui nous gratifie de vente de vaisseaux depuis peu, reçu et accepté. Donc on peut voir que nous avons deux modèles de M50 qui sont mis à disposition du public. Hein. Un évidemment à la salle d'embarquement, il faut bien attirer le client d'une manière ou d'une autre. Et ici à la boutique. Alors il ne vous faudra débourser que 700 900 UEC pour vous payer cette Formule 1, cette que dis-je, cette Ferrari. Hein. Ferrari qui était aussi une marque d'antan. Bonjour monsieur, nous venons faire un petit tour de votre gamme de vaisseaux. À origine. Avec ça, vous pouvez vous déplacer dans un confort absolu. Alors pour ceux que la marque Origine pourrait intéresser, il faut savoir que ce sera, que je regarde mon agenda, le 25 novembre 1948. Où le salon nous feront toute une présentation de leur gamme de vaisseaux. Ici à Aurora, hein, qui est l'entrée de gamme du vaisseau des commerçants, mais qui fait le job, hein. C'est quand même une bonne machine. Et pour les entreprises telles que la KEC, rien de vaut qu'un bon prospecteur de MISC qui ne coûte que 1 620 000 alpha UEC, mais qui est donc un certain investissement, mais que vous pourrez assez rapidement rentabiliser. Maintenant, je vous propose d'aller quand même faire un saut et voir si le salon a enfin ouvert ses portes, ce qui serait pas quand même du luxe. Alors, j'ai beaucoup de mal de mâcher mon chewing-gum, boire mon café et parler en même temps sans regarder devant moi. Monsieur. Alors les autorités sont un peu sur les dents, on a eu vent qu'il y avait un ou deux contrebandiers qui étaient passés, qui avaient réussi à passer les sécurités. Donc ils sont un peu sur les nerfs. Mais a priori ils ne sont pas armés, donc nous ne craignons rien. Donc derrière moi, vous pouvez observer la magnifique salle d'embarquement de l'aéroport de l'Orville. Repose celle-là. Alors, voyons voir. Et nous sommes toujours coincés au Tissa Spaceport. Donc en attendant, on peut observer donc les futurs vaisseaux, donc certains déjà disponibles. Nous avons là le Hammerhead, hein, le dernier né de la gamme Aegis, hein, une corvette d'attaque et d'escorte, qui est d'ailleurs disponible sur l'aéroport de l'Orville pour la modique somme de 20 millions d'alpha UEC. Ensuite, le futur né de la gamme RSI, donc l'Apollo, qui sera
d'ailleurs qui viendra équiper les infrastructures de l'hôpital de leur ville, l'hôpital Maria, afin d'améliorer l'évacuation des blessés. Tac, Interplanetary va nous concocter un joli vaisseau de réclamation, comme on dit, afin de récupérer tout ce qui est déchets métalliques, les épaves de vaisseau et enfin les recycler. Il y a quelques lunes autour de Hearthstone qui en auraient bien besoin. Bien que Heidi s'est déjà mis à disposition son réclaimeur. L'Avenger national hein, d'Aegis, son entrée de gamme. Ah, Crusader Industries. Crusader Industries qui va nous faire l'honneur de nous sortir deux vaisseaux, donc évidemment un Hercule de transport de fret, voire transport d'armement pour les militaires de l'UE, et un vaisseau d'exploration digne des plus grands films de science-fiction. Et qui est tout bonnement magnifique. Anvil Aerospace, donc l'invité d'honneur d'aujourd'hui est son Hurricane. Bon, eh bien, nous attendons toujours l'ouverture du salon. Et bon, ce café. Je vous conseille à tous. Et comme on est RP ou on ne l'est pas, il faut avoir aussi son café IRL. Alors j'essaie de joindre un peu mes correspondants afin de savoir s'ils ont plus d'informations concernant l'ouverture du salon. Comme on le sait, ils sont Robert Space Industries est rarement à l'heure dans ses présentations et le salon intergalactique Aerospace ne fait pas exception. Décidément, on n'a pas beaucoup d'informations quant à l'ouverture. Ça aurait dû arriver aujourd'hui, il y a une dizaine de minutes. Ah, j'ai les studios dans l'oreillette. On va sur une page de pub et on vous reprend dans quelques minutes. À tout de suite. Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made right here. Et nous revoilà en direct du salon qui n'est toujours pas ouvert de l'Orville. Et j'ai été rejoint par mon confrère Triscard. Salut Triscard. Salut, salut tout le monde. Alors, Triscard a raté la navette, donc il est en chemin.
Tout à fait, là je suis en route vers Hearthstone, il me reste 3 millions de kilomètres à parcourir. Alors, et toi, quelles sont tes attentes un peu de cette édition de 1948 de l'Intergalactique Aerospace Expo? Alors, bah moi étant un grand fan de MISC, forcément j'attends le 29 novembre pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des ventes anniversaires. Mais c'est vrai qu'au salon, j'attends pas mal de vaisseaux à contempler, à voir un petit peu ce qui va être proposé. Donc j'espère que RSI va nous faire de belles surprises. Ah, c'est ce qu'on espère tous. Donc, et pour la KEC, vous qui êtes plutôt une entreprise industrielle, quels sont un peu vos besoins précisément ces temps-ci? Ah bah nous, étant principalement des mineurs et des transporteurs, nous avons besoin de vaisseaux donc capables de miner, donc principalement des prospecteurs. Ainsi que de gros cargos, hein, donc Caterpillar, Starfarer, ce sont vraiment nos vaisseaux principaux, notre flotte principale. Ah oui, donc tout ce qui est effectivement les MISC, les Drake, Aegis et compagnie. Exactement, ouais. Donc Ça, ce sont aujourd'hui, nos marques de prédilection. exactement. Donc finalement aujourd'hui ça va être une journée un petit peu sans puisque l'ensemble de l'expo devrait se concentrer sur Anvil Aerospace. Tout à fait. Et donc on le rappelle, hein, le fer de lance de ce salon, enfin de ce premier jour, ce sera bien l'ARRW d'Anvil Aerospace. Alors, qu'est-ce que t'en penses au niveau de ce vaisseau-là qui nous est proposé par Anvil? Bah, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations concernant ce vaisseau. On sait qu'on se situe dans la catégorie chasseur lourd, médium, enfin oui, donc on est dans du light medium, hein, on devrait être dans des proportions telles que le sabre d'Aegis. Mais Anduil a bien fait son boulot et que très peu d'informations ont fuité. Donc je suis extrêmement curieux de savoir sur quelle. On va dire sur quelle branche ils vont surfer avec ce vaisseau. Ok, donc on devrait en savoir plus aujourd'hui avec l'ouverture de ces ventes anniversaires en ville. Exactement. Mais pour ça, il faudrait que RSI soit à l'heure. Donc Comme d'habitude, hein. je pense que leur présentateur principal, dirigeant. Le descendant du grand Chris Roberts a dû lui aussi rater la navette. Hein. Alors pour rappel, donc aujourd'hui c'est Anvil Aerospace, demain nous aurons Robert Space Industries, le 25 ce sera Origin Jumpworks, le 26 nous aurons Aegis Dynamics, le 27 ce sera réservé à Drake Interplanetary, le 28 on aura le droit à tout ce qui est vaisseau alien, donc je suppose Concept Shian, Banu, etc. Oui, c'est très juste. Il semblerait qu'il y ait des nouveaux concepts de technologie tirés de la technologie Vanduul. Qu'est-ce que je vois dans mes notes? Le Glaive et le Blade, par exemple. Ça va être intéressant de voir ça. Le 29, nous avons MISC. Et le 30, donc, on aura Kruger, Argo, Tumbril et Consolidated Outland. Et Consolidated Outland qui nous a annoncé il y a un an donc leur projet de construire le Pioneer. Est-ce que tu peux nous Tout en à fait. parler du Pioneer? Alors, moi, personnellement, j'ai pas masse d'infos sur le Pionir. Il me semble que ça va être un vaisseau qui va être capable de produire des avant-postes, c'est ça? Oui, c'est tout à fait, c'est juste. Donc, j'ai pas toutes les infos sur ce vaisseau, honnêtement. Donc, si t'en as, n'hésite pas à les donner. Moi, perso, j'en ai pas plus que ça. Oui, bah, je me demandais s'il intéressait la Camelot Express Corp, puisque Ah oui, éventuellement, oui, sachant pouvoir que. déployer des avant-postes près de vos points de minage, cela ne peut que vous rendre service et vous faciliter la vie. Ah bah évidemment, il va falloir qu'on étudie donc la question de déployer des avant-postes sur les zones de minage, ainsi que sur les zones où on va fréquemment transporter des marchandises. Donc effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des avant-postes et donc un pionnier qui nous permettra de les déployer beaucoup plus facilement. Ça, cela va être fort intéressant. Alors, allons un peu aux nouvelles du salon. Et malheureusement, toujours rien. Toujours rien. Est-ce que nos confrères ou nos spectateurs ont des informations sur d'autres serveurs
sur d'autres planètes leur ville dans lequel ça pourrait être accessible. Il semblerait que nos amis les téléspectateurs soient pas de grands bavards. Non, je pense qu'honnêtement, si IG a un petit peu de retard, il faut pas. Va falloir être un petit peu patient, je pense. RSI, RSI, RSI. RSI a du retard. Si IG, on connaît pas. Enfin, je crois que c'était une petite boîtoune des années 2000. Et où en est ta navette? Alors, je suis en approche de leur ville, je suis à 10 km, donc je vais faire ma demande d'autorisation d'atterrissage. Bon, ouais, on va aller s'approcher un peu de la fenêtre hein, et voir ça. Tu es toujours cette magnifique salle d'embarquement. La sécurité est toujours sur les nerfs. Et la nuit est tombée sur leur ville. Donc effectivement, alors malheureusement, on n'a pas beaucoup d'infos sur le programme du Salon Expo. Et alors donc évidemment, on sait qu'aujourd'hui, ça va concerner exclusivement Anvil Aerospace. Toutefois, on ignore un peu le calendrier, l'agenda de la journée. On ne sait pas. Vers quelle heure auront lieu les présentations? Ni d'ailleurs si toutefois le PDG d'Anvil a décidé d'en faire une ou pas. Toutefois, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Hein. Non, ils ont été un peu radins en termes de documentation et d'agenda. Donc ce qu'on sait, c'est effectivement, on va avoir droit donc à toutes les variantes du Hornet. Hein, donc le Hornet 97C, et puis toutes ces variantes, le Wildfire, le Tracker, le Ghost, le Super Hornet, évidemment. D'ailleurs, est-ce que vous avez une équipe de sécurité à la KEC? Si oui, quels sont les vaisseaux qu'ils utilisent? Alors, on a un service d'escorte hein, interne à la Corpo. Il me semble qu'elle est principalement composée de Vanguard. Nous avons également du Hornet, hein. Donc un vaisseau assez polyvalent en ce qui concerne donc l'escorte. Je crois aussi que nous avons... attendez, je reprends la liste, comme ça ce sera plus simple. Hop, hop, hop. Parce qu'effectivement, là, on va avoir aussi des présentations du Hurricane, alors vaisseau lourd d'attaque, mais qui n'est pas sans commune de mesure un atout dans une flotte. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous lire? Ah, le Terrapin, effectivement, le Terrapin qui intéresse beaucoup effectivement les explorateurs. Hein. Donc effectivement, le Terrapin, c'est un vaisseau que nous avons à la KEC hein, qui va permettre à l'équipe Explo donc de pouvoir inspecter, pouvoir scanner, pouvoir détecter des choses intéressantes. Donc pour compléter au niveau de l'escorte, nous sommes équipés aussi de sabres. Nous avons entre autres le Hammerhead, donc le Hammerhead qui est plus un vaisseau multi-crew qui pourra servir à l'escorte évidemment. Oui, effectivement, donc le Hammerhead qui est un escorteur de flotte, hein, ça on le sait tous. Alors la bonne nouvelle c'est que je viens de me poser, donc je vais pouvoir te rejoindre d'ici peu. Ah, très bien. C'est pas toi qui est en train de faire une entrée catastrophique dans un hangar. Non du tout, je suis entré, je suis posé, je suis au sol. Voilà qui est bien. Et bonsoir Sylvain, bienvenue dans cette Salut présentation Sylvain. De l'Intergalactique Expo. Donc qui est notre première donc au salon aérospatial de leur ville. Mais pour le moment, le salon n'a toujours pas ouvert ses portes. Donc effectivement, après, pour en revenir sur le Terrapin, effectivement, les gens disent que c'est une excellente alternative à la prospection des zones de minage.
Tout à fait, parce qu'il a des capacités donc qui lui permettent de détecter les minerais, ce qui en fait un atout indéniable pour une équipe minage qui serait accompagnée par des explorateurs. Effectivement, eh mais me bousculez pas vous monsieur là, Malpoli. Donc oui effectivement le terrapin donc c'est une très bonne alternative à la prospection qui effectivement comme vous dites hein, qui vient en renfort à l'équipe minage. Donc ça va, on devrait pas la Camelot Express Corp devrait quand même trouver un petit peu son bonheur dans cette première journée. Oh, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse de bonnes affaires aujourd'hui. Voilà qui est fort bien. Mais malheureusement, toujours pas de nouvelles de Robert Space Industries par rapport à l'ouverture du salon. Alors, voyons, voyons. Alors, je viens de sortir de l'ascenseur du hangar numéro 7 et je vois effectivement que nous avons les banderoles intergalactiques aérospace, c'est magnifique, c'est Et superbe. toujours pas d'ouverture du salon, malheureusement. Alors, je vais essayer de vous rejoindre, Néo. Ouais, je suis au niveau de l'entrée du salon. Ok. Voilà, une belle entrée du salon en arrière-plan, cela ne peut que être bien. Alors on regrettera vraiment que la FOIP me fasse un semblant de Parkinson doublé d'une double dose de caféine. Voilà, donc je m'incruste sur la caméra avec Néo. Alors attends, on va faire un petit réglage caméra. Alors, on va se mettre l'entrée comme ça, en arrière-plan. Si tu peux réussir à venir à côté de moi, à ma droite. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui vont spawner dans la chambre, mais il y a une chambre à Lorville dans laquelle il n'y aura plus de tasse à café, puisque j'ai embarqué la mienne. Alors voilà, et puis sinon, est-ce que tu veux nous parler encore un peu de la KEC? La Camelot Express Corp, société de minage, je le rappelle. Tout à fait, donc la KEC qui a été fondée il y a bientôt 2 ans, hein, nous allons fêter nos 2 ans le 14 décembre. Nous avons donc créé cette corporation principalement pour pouvoir miner et transporter, hein, ce sont nos axes principaux de travail. Alors en complément donc de ces activités, nous avons des services internes à la team, donc qui consiste en une équipe exploration qui va donc principalement servir à détecter, à référencer, à cartographier donc tout ce qui peut être utile pour les différentes équipes. Nous avons également un service d'escorte donc qui va servir d'escorte tout simplement aux convois qui vont le nécessiter. Que dire de plus? Nous sommes actuellement 95, si je m'abuse. Donc nous sommes une corpo en plein développement, hein, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, passez nous faire un petit coucou sur Discord, on vous accueillera avec plaisir. Et pour information, donc toutes les coordonnées du Discord sont dans la description de la vidéo actuelle, ainsi que le site internet de la Camelot Express Corp. Tu dis que ça va faire les 2 ans de la Camelot Express Corp. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour fêter ce bel âge? Oui, tout à fait. Donc, on a prévu une journée de streaming, donc qui aura lieu sur Twitch, hein. Alors, ça sera hébergé sur plusieurs chaînes Twitch, dont la tienne, il me semble, Néo. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ça se déroulera de 10 h du matin jusqu'à assez tard dans la soirée, avec plusieurs choses prévues dans la journée, donc, notamment des petites missions FPS, Star Marine. Il y aura également donc des missions de minage, il y aura du transport, il y aura pas mal de choses à voir, il y aura une course. Donc je vous invite à nous rejoindre, ça se passera le samedi 15 décembre à partir de 10 h du matin. Ah bah écoute, c'est fort intéressant. Donc tu m'as dit le samedi 15 décembre, à quelle heure? À partir de 10 h du matin jusque très tard dans la soirée. Ah bah écoute, c'est merveilleux. On va en Voilà. profiter pour vous faire hein, à partir de 10 h du matin. Et donc tu peux déjà nous dévoiler quelle sera
comment dire, animations de cette journée-là ou pas encore? Alors, bah, comme je l'ai dit, hein, il y aura plusieurs types d'animations. Il y aura une séquence minage. Donc, on va essayer de sortir quelques prospecteurs et d'aller vous montrer un petit peu en quoi consiste le gameplay du minage. Il y aura une session 6 FPS pour les amateurs de shoot. Donc, ça se passera probablement sur Star Marine. On essaiera de faire une confrontation avec une autre orga qui sera invitée pour l'occasion. Que dire d'autre? Nous aurons également des sessions donc de convoi avec probablement des escorteurs. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ce gameplay, comment ça s'articule, comment on vole l'information, toutes ces choses-là. Donc, voilà, je pense que. Et également, oui, j'ai oublié la course. Donc, la course de Cyclone. Alors, donc ça sera une course animée, hein, parce qu'il y aura une séquence. Donc, il y aura une partie du parcours, pardon, qui sera sans armes et une partie du parcours où les armes seront autorisées. Donc, ça va être intéressant de voir ça, un petit peu de gameplay course intense. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des animations qui auront lieu. Ah super, ça annonce que du bon. Où est-ce qu'on peut on aura un programme à disposition prochainement sur votre site internet ou quelque part sur le Oui, je Spectrum? pense qu'on va faire ça sur le site internet, ça sera plus accessible à tous. Donc, je vais probablement publier ça d'ici une semaine. Donc, vous aurez toutes les infos, voilà, d'ici la semaine prochaine sur le Ah. site web de la KEC. Donc, je ne sais pas si c'était le lien en description. Ouais, je crois que tu l'as. Oui, normalement le site web est dans la description aussi. Ça Bon, marche. bah, cela annonce que du bon. Alors pour ceux qui nous auraient rejoints en toute dernière minute, nous attendons l'ouverture du salon de l'Intergalactic Aerospace. Mais Robert Space Industries, dans son habitude, est en retard, malheureusement. Alors, je Donc. vais continuer à checker, hein, sur le site RSI, voir s'il y a des infos qui tombent. Et bonjour monsieur. Voilà, donc si d'ailleurs si vous téléspectateurs vous avez des informations, des bruits de couloir, on prend tout, même la petite rumeur, on accepte. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Parce que malheureusement, pour le moment, quand je vois le nombre de personnes qui se font refouler, c'est que ça a toujours pas l'air d'être ouvert. Et si je tremble comme ça, c'est parce que je bois du café. On ne se moque pas. Voilà qui est fort bien. Et sinon, donc, dans la boutique. Ah, on nous annonce un patch. Donc, on va Ah, mettre. tout à fait. On va vous mettre en attente sur le live avec une page de publicité. A tout de suite. Young men came from hunting, faint and weary, what is that, my lord, my dearie?
Alors attention, je relance le stream et nous revoilà en direct. Je vous laisse tranquille. Suite à... Non, tu peux rester, pas de problème. Aurelius, donc Aurelius, un membre de l'équipe minage, exploration, on sait pas trop, ça dépend. En plus exploration que minage, mais d'accord. de la Camelot Express Corp qui nous a rejoint. Et coucou Armachan, bienvenue dans ce... Et salut Arma. Donc, et toi, Aurelius, qu'attends-tu exactement de du salon de officiellement, sincèrement, pas grand-chose, puisque j'ai déjà une flotte bien complète. Et là, maintenant, je j'achèterai plus du tout pendant les ventes anniversaires. On parle de l'Orville et de Robert Space Industries. On ne te parle pas de... Aurelius... Peut-être au moins semblant de comprendre. Oh, excusez-moi, je l'ai oublié. C'est le super Lolo. Qu'est-ce que j'attends? On a déjà tellement de belles surprises, tellement de choses à visiter que je suis déjà comblé. Cette 3-3-6, elle est géniale. Je suis trop content. Non, le joueur RP. Bon. Bon, alors écoute, on n'en tirera pas plus. Donc on a compris que les vaisseaux aujourd'hui allaient bien vous intéresser. Et que pensez-vous du Terrapin dans son rôle d'explorateur, vous qui êtes membre Explo? J'ai hâte qu'il soit entièrement fonctionnel, car il y a des petits problèmes électroniques encore dans ce vaisseau, en cours de développement. Oui, tout mais ça, je pense que ça sera un vaisseau super intéressant à piloter et à découvrir quand il sera enfin fonctionnel. J'ai hâte. Bon, voilà une bonne chose. Alors, si on allait prendre un peu la météo... de l'ascenseur, hein, et voir bon, vu le nombre de personnes qui restent, c'est que cela va poser tout. Je pense que ça va arriver, et je pense que c'est 17h effectivement. Alors, si on regarde, c'était 8h PST, regardons un petit peu l'horloge intergalactique, et il semblerait que tu aies raison à Los Angeles, sur Terre, il est 7h38. Ouais, confirmé dans 22 minutes a priori. Donc leur petit truc PST dans le lien d'ailleurs qu'on vous a mis dans le chat, hein, toutes les infos du salon sont ici. Vous pouvez voir que là en intro il y a écrit 8h PST et si vous passez votre mobile glace dessus, vous voyez, je vous indique 16h. Donc, mais elle coule pas, ça veut dire que Robert Space Industries n'est pas encore en retard. Hein. Eh ben si, on allait faire un petit tour en attendant. Ouais, tout à fait. Voilà une bonne idée. Alors, Armachan. Alors oui, bien sûr que tu peux nous rejoindre. Au contraire, viens dès seulement. Arma, pour rejoindre le salon, bah, il y a un ascenseur. Hein, donc on est dans le terminal de l'aviation générale du Tisser Spaceport. Et donc ils ont aménagé tout un coin pour l'entrée du salon. Alors, on va fermer la parenthèse RP, donc on est sur serveur US, afin de profiter de bonnes performances et pas des serveurs UE. Alors c'est vrai qu'au niveau des perfs, là, c'est vraiment pas mal, hein. Ça tourne plutôt bien. Ah, c'est tout de suite plus agréable quand les requins sont au boulot. Mmh. Et donc voilà le M50. Alors, est-ce qu'il y a des pilotes de course à la Camelot Express Corp? Alors, je crois qu'on a quelques casse-cou qui se risquent à la course, mais bon, c'est pas vraiment notre activité principale, la course, hein, donc je ne crois pas que nous ayons vraiment des pilotes vraiment extrêmement talentueux, enfin, je parle au niveau de la course, hein, mais pourquoi pas s'intéresser à ce gameplay, ça peut être rigolo de temps en temps si tu as fait une petite course, donc pourquoi pas acquérir un petit Origin M50 pour la modique somme de 700 000 AUEC, ce qui est très correct. Hein. Oui, c'est vrai que pour un vaisseau de course et sa vitesse, on est sur des tarifs plus qu'abordables. Hein. Puis le design est super, super intéressant, moi j'aime beaucoup ce vaisseau honnêtement. Ah, ce qui est particulièrement intéressant sur ce vaisseau, c'est effectivement les capots transparents qui permettent de voir les deux coins à l'arrière. Hein. Comme vous pouvez vous en rendre compte,
carte, on voit une parfaite vue, très jolie vue sur les deux moteurs qui équipent le M50. Alors, il me semble qu'on peut accéder au poste. Enfin, on peut accéder au cockpit là, il me semble. Probablement devant la boutique New Deal, devant son entrée. Effectivement, ici, ça ne reste qu'un modèle d'exposition. Alors, ça va pas être très RP, mais je vais tenter de passer. J'ai réussi une fois, donc pourquoi pas recommencer. Voilà, je suis passé. Voleur, et logiquement, on appelle ça un VIP, c'est pas pareil. Sécurité. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut que tu regardes. Allez, donc, on sait pourquoi t'as la sécurité, toi, dis donc. Aïe aïe aïe, ça ne fonctionne plus, je n'ai plus accès. Bien fait. il me semblait qu'on pouvait y accéder, mais ils ont dû le loquer. Donc je vais ressortir du stand avant de me faire exclure. Voilà. Donc il nous reste effectivement une petite vingtaine de minutes. Donc je vous propose un nouveau tour de la boutique New Deal, donc qui est l'un des sponsors, mais pas des moindres, du salon intergalactique de cette année. Oui, c'est ce qu'on voit effectivement, comme dit Super Lolo, on doit pouvoir entrer dans celui qui est devant la boutique. Alors, bonjour monsieur, avez-vous un peu de documentation? Oui, de ce que je vois. Donc là, nous avons effectivement de la documentation à propos du Mercury, donc le futur né de Crusader Industries. Vraiment hâte de le voir, d'aller lui caresser les nacelles, comme on dit, celui-ci. Très belle machine, bon rayon d'action. Alors pour les adeptes de course, derrière effectivement on voit le vaisseau de course de Misk, hein, qui est le Razor. Son design a été repris des véhicules des années 2000, hein, c'était des véhicules de course qu'on appelait des Formule 1, c'était impressionnant pour l'époque. Aujourd'hui on dirait mais qu'est-ce qu'ils sont lents. Et voilà, le Mercury, encore, le Crusader Industries. Hein. Que pensez-vous, messieurs, du design asymétrique, hein, du Mercury? Bah, je trouve ça assez intéressant, dans le sens où c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup fait, en fait, pour l'instant, dans le jeu. Donc, je demande à voir, en fait. Et j'aime beaucoup, en tout cas. Très beau, hein. On retrouve le design des réacteurs du classe Hercule, hein, qui sera, donc, on rappelle, un vaisseau de transport, un vaisseau lourd de transport de fret, hein, et qui aura effectivement une version militaire de transport d'armement. Et celui-ci, c'est lequel, d'Aegis Dynamic? Tiens, je le reconnais pas. Bah, c'est le fameux vaisseau de réparation dont j'ai oublié le nom. Si quelqu'un en chat, je suis preneur, j'ai un trou de mémoire. Effectivement, hein, on voit qu'il sera équipé de drones et qui permettra la réparation et le refuel aussi, le refueling des flottes et des entreprises. Le Redeemer, on me dit Non, le Redeemer, je crois pas, justement, non. Classe dropship. Bref, cela nous reviendra. Et donc voici la boutique New Deal que on a déjà vu un peu avant, un peu plus tôt. Et bien je te propose d'aller faire un tour sur leur terrasse extérieure. Yes. Ils ont de très jolis modèles d'exposition. Déconne, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. En fait, nous portons des masques, c'est pour ça. Ouais, c'est pas encore au point la FOIP. Hein. Ouais, ça marchait pourtant. Ah ouais. Et pourtant, ça marchait. Ah ouais, il y a c'est vrai. C'est un peu désolant, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, qu'avons-nous là? Alors, on a du Mustang.
un super constellation Phoenix, si je ne m'abuse. Oui, le dernier né de la gamme des constellations, qui est la version transport VIP. Et à droite, le Hammerhead. Daedalus Dynamic. Vaisseau qui a déjà bien fait ses preuves hein, récemment dans quelques escarmouches à proximité de Port-Olisar. Effectivement, alors je sais pas si les vendeurs vont nous permettre de faire le tour un peu du Constellation Phoenix, mais cela serait fort agréable parce que il vaut vraiment le détour. Pour revenir effectivement à Aegis Dynamics et son Hammerhead, ils ont repris beaucoup d'éléments de leur future corvette d'attaque Idris, notamment les coursives. C'est vrai qu'on retrouve pas mal d'éléments de ce vaisseau-là, ouais. Alors, nous voici donc arrivés dans les quartiers d'équipage. Vite, faut qu'on sorte. Y'a pas d'oxygène. Oh. Effectivement. Ah là là, laisse-moi sortir. Ah! Ça va bien se passer. Sortons vite. Bon, eh ben... ça sera pour une autre fois le tour. Exactement, et on rentrera pas dans les vaisseaux. Lolo Arma, je vous envoie l'invite. Eh oui, il y a des problèmes de ventilation dans les vaisseaux, nous dit-on, donc on ne peut pas, malheureusement pas, les visiter. Ah ici c'est donc la magnifique refonte du Mustang Beta, ouais. Exactement. Très joli vaisseau. Donc l'entrée de gamme hein, de la compagnie, hein, du fabricant. Mais pas des moindres, puisqu'ils font aussi des modèles de course. Et qui ont, semble-t-il, d'assez bonnes performances. Hein. D'ailleurs son fuselage aérodynamique va vraiment en ce sens. C'est vrai que le rework a été très bien réalisé, honnêtement. J'aime beaucoup les ailes qui se replient dès qu'on rentre les trains d'atterrissage. Oui, tout à fait. Surtout cette bulle, cette barrière qui est... Ouais, c'est vrai qu'elle permet une vision vraiment périphérique. Qui nous dit je vois pas l'astéroïde, tu s'inquiètes. Oh, très belle machine. J'aime beaucoup les entrées d'air pour les moteurs atmosphériques. C'est un très beau design. Bon bah je pense qu'on peut retourner tranquillement vers 16h49, ouverture alors, la zone du salon. Dans 10 minutes, effectivement, je pense qu'on peut y aller. On peut que vous laisser profiter du panorama de l'Orville. En direct d'Hearthstone. Alors, est-ce que nos spectateurs ont eu leurs invitations pour l'événement? Alors, logiquement, oui. Ah, ce magnifique prospector. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait aussi avec le prospector, hein, avec donc les réacteurs qui se replient également quand on sort les trains d'atterrissage ou qu'on les rentre, ainsi que la perche à l'avant qui permet de miner. Donc cette mécanique est juste incroyable. Oui, ça fonctionne très bien. C'est très efficace. Que les mineurs soient ravis de cet outil. Bonjour monsieur. Qu'on attend évidemment l'Orion hein, qui,
qui sera le vaisseau de catégorie donc supérieure pour tout ce qui est minage et raffinage. Donc, ça sera un vaisseau indispensable pour la KEC. Mais oui, effectivement, mais est-ce qu'il aura cette capacité d'entrer en atmosphère? Il me semble pas. Hein. Ça sera un vaisseau. Je ne crois pas. Ça sera vraiment un vaisseau qui sera voué à rester en orbite, tout à fait. Ouais. Très beau réacteur. Il faut savoir que certaines fonctions seront disponibles à l'arrière du vaisseau. Hein. Ouais, on a une petite trappe en fait. Qui est accessible, voilà. En fait, elle était ouverte, mais ils nous l'ont pas dit. Ouais, ouais. Voilà, donc on suppose que qu'on viendra s'arrimer sur cette petite plaque. Belle mécanique. Hein. Au fond, donc le 85X d'origine, hein, toujours dans sa gamme de vaisseaux VIP, vaisseau haut de gamme, hein. Haut de gamme, confort et sécurité. Voilà, donc là on est sur un monoplace assez performant. Hein. Ah, il est biplace. Biplace, à autant pour moi. Oui, ouais, c'est pareil, très beau design, de belles entrées d'air. Même ils vont jusqu'à vraiment personnaliser les boosters que l'on peut voir. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Très jolie machine. Et est-ce que tu peux nous dire un peu son prix? Alors, il me semble qu'il est à 616 000 Alpha UEC, donc ce qui n'est pas grand chose en soi, hein. Ça se farme assez facilement. C'est vrai, c'est assez abordable. Hein. Même l'échelle est designée. Si ça, c'est pas magnifique. C'est vrai. Donc apparemment on a une personne intéressée pour l'acheter. Ouais, il semblerait. Bon bah je te propose qu'on retourne au niveau du stand. Oui, dans 7 minutes. Ça devrait arriver. L'ouverture des portes du salon. Et c'est notre ami Aurelius qui est là-bas, il me semble. Là. Je le reconnais à ses petits cheveux gris. Ah, il semblerait qu'il y ait deux employés de la Camelot Express Corp qui souhaiteraient nous rejoindre. Entrez, venez dans les studios. Alors, la sortie, c'est par là. Bonjour messieurs. Et bonjour, bonjour. Salut Irma. Comment allez-vous? Allô? Oui, on t'entend. Eh bah écoute... On est très, très impatients comme vous, a priori, que ces jolies portes s'ouvrent. Exact. Et alors bien vous. Donc, quelles sont les équipes ici représentées? Bah, du coup, le transport pour Lolo et les FPS pour moi. Ah, donc on a de la sécurité. Alors, pour l'équipe transport, je pense que vous devez l'attendre ce salon pour voir les avancées en matière de fret. Ah, il semblerait que le duplex avec Lolo... Lolo nous a perdu, je crois. Alors, on va plutôt parler de la sécurité. Donc, effectivement... Attends, en fait, vu que je vous entends en double avec le stream... Il faut que tu coupes le son de Twitch. Ouais, il faut que je coupe, voilà. Ouais, sinon ça va pas le faire. Du coup, on va passer à l'équipe sécurité, donc l'équipe FPS. Donc vous, c'est sûr que ce salon-là va peut-être pas vous émoustiller plus que ça. Bah écoute, c'est vrai que là, je ne vois pas ce qui pourrait sortir pour nous, parce que de toute façon, on vient d'avoir le Valkyrie. Et honnêtement, le Valkyrie a été vraiment une superbe découverte. Enfin, je sais que bon, il est pas très utile pour l'instant, enfin même pas du tout au niveau espace, etc. Mais nous, dans le gameplay qu'on souhaite développer dans l'FPS, c'est vraiment le vaisseau par excellence. Donc moi, si je puis dire, je suis déjà comblé. Ah bah écoute, c'est merveilleux, mais ça tombe bien puisque ce premier jour est consacré entièrement à Anvil Aerospace, qui est d'ailleurs le constructeur du Valkyrie. Voilà.
Alors Néo, je me trouve devant l'ascenseur, je vois du monde qui commence à se grouper, je vois de l'agitation, donc je pense que nous sommes à quelques minutes de l'ouverture, les gens commencent à entrer dans l'ascenseur. Ce serait malheureux d'arriver en retard, alors ça fait, je suis arrivé avec une heure d'avance sur le salon. Alors, je vous vois courir. On me dit dans l'oreillette, ah, j'ai renversé mon café, mince. On me dit dans l'oreillette qu'on m'entend mal, est-ce que là on m'entend mieux? Ah, on nous annonce la connexion d'un des grands dirigeants de Robert Space Industries. Ah, là on me dit que c'est mieux, c'est parce que je ne vais pas avoir le micro bien devant la bouche. Alors, on va rester en vue subjective, puisque là, on commence à être un peu serré. Quoique, je vais peut-être attendre le deuxième ascenseur, parce que je ne vais pas bugger avec 15 personnes à l'intérieur. Enfin, bugger, pardon, est-ce que tu vas mettre en surcharge avec 15 personnes à l'intérieur? Oh, il y a une jolie veste de la Citizen Con, bravo! Monsieur n'a pas fait l'effort de retirer son armure. Ah. Je crois que nous sommes pleins. C'est full, messieurs. That's full. Je sais pas si... Tiens, fais un test de FOIP pour voir si sur le chat global, voir si je t'entends. Ok. Normalement, il est actif par défaut. Alors non, il n'est pas actif et il n'est pas activable. Ouais, donc il est encore tout cassé. Par contre, en partie, il est activable. Alors, allez, on va voir en partie ce que ça donne. Tu fais de sacrés détours, Lolo. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais il voulait pas en fait que je saute directement sur Ruston, j'ai pas compris. Alors, non, il y a. Il y a ma route à côté. Il n'y a pas eu d'ATV hier. D'ailleurs, ils se sont dit que normalement, il n'y en aurait plus jusqu'en décembre, quelque chose comme ça. Là, on va avoir, je crois, chaque semaine ou chaque jour, plutôt un petit event autour des marques mises à l'honneur au salon intergalactique. Ah, là ça fonctionne. Yes, bon, parfait. Tu vois, je voulais pas que je traverse le soleil surtout. Bon, apparemment ça ne fonctionne pas. Non, il reste... de toute façon il reste encore 2 minutes, mais j'ai pas envie de risquer le bug, donc je vais rester là en attente. On a des cobayes dans l'ascenseur pour nous dire si ça marche après. Eh ben écoutez, je vais me porter volontaire pour faire le cobaye. Je crois que t'es quelqu'un qui m'a piqué ma tasse de café dans l'ascenseur. Je vais essayer de la récupérer, mais non, elle a disparu dans les méandres. Fichtre, il est parti avec mon café. J'espérais pouvoir la déposer sur une jolie table. Tant pis. Alors, monsieur ne veut pas bouger, donc je vais me mettre là, ou plutôt, allons nous mettre par là. Il y a du monde qui attend. Hein. Donc ouais, au niveau de la VOIP, j'ai rien entendu, donc je pense que ça doit pas beaucoup marcher. Allez, H-1 minute avant l'ouverture des portes du salon. Bon, les gens sont bien disciplinés, hein, ils attendent. Ça y est, nous pouvons y aller. Enlevez l'aérospace hall, c'est officiel. Alors, bon, Néo, je vous invite à venir dans l'ascenseur avant qu'il... Trop tard, ils ont appuyé. Ils ont appuyé, ok. Donc, je descends. Incroyable. Ils sont à l'heure. Magnifique. C'est beau. Et bon, on sera dans la deuxième vague. Ça y est, j'y suis. Alors, je t'attends, Néo. Alors, on est en train de bourriner l'ascenseur, histoire d'être sûr de bien le faire bugger. Oh, tu peux m'attendre tranquillement dans le hall. Ouais, je suis juste à la sortie de l'ascenseur. Et voilà l'ascenseur. Merde,
J'ai pas appuyé sur le bon. Voilà, Anvil Aerospace. Nous y voilà, l'ouverture, ils sont pile poil à l'heure et le déclenchement d'event fonctionne. Ça c'est intéressant. Très intéressant. Ouais, parce que ça prouve bien donc qu'ils sont capables de pousser des choses en live. Et justement, ça va peut-être pouvoir apporter des correctifs ou des choses comme ça directement sans besoin de patcher. Ouais. Et donc, bienvenue à tous. Voilà, c'est officiel. Le salon intergalactique Aerospace est ouvert. Magnifique hall. Oh, c'est vrai que c'est très sympa. Oh là 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 là. Le haro. Voilà, le haro. Magnifique. Et il ne coûte que 0 à UAC. Oh, donc on va en profiter. Super. On va aller s'acheter un petit arrow qui est là pour la démonstration. Avec des missiles en lévitation. C'est superbe. Rent. Alors, donc on est juste sur du rent. Alors, est-ce que moi je suis en processing, ça marche ça. Pareil, processing. Je pense qu'il y a trop de demandes en même temps. Alors, on va laisser Tristiar s'acharner pour. Ouais, ouais, je vais moi, essayer. Moi, je vais rester en live. Donc, ça y est, le Arrow est dévoilé. Ah, magnifique hall, hein. Anvil Aerospace a vraiment mis les. Les bouchées doubles, hein. C'est vrai que dernièrement, ils nous gâtent quand même. Hein. Il faut bien l'avouer. Là, c'est assez superbe. Donc, en fait, finalement, on est plutôt dans une catégorie de chasseurs un peu légers. Je dirais qu'on se rapproche plus d'une, on va dire, de la gamme Buccaneer de Drake Interplanetary. Qu'est-ce que vous en pensez? Arma, je te laisse répondre à la question. Eh bien écoute, malheureusement ça tombe mal puisque j'ai caché le stream afin de me réserver la surprise aïe, live. Malheureusement. Okay. Ah d'accord, donc tu n'as pas pu voir la machine. Donc, non, pas encore. Effectivement, donc on est sur une gamme monoplace. Hein. Toujours en processing, Tristia? Ouais, malheureusement, je ne peux pas sortir de mon MobiGlass pour retenter l'opération. La petite croix en haut à droite, ça a marché. Ouais, je sais, je la spam, mais ça ne fonctionne pas. Je vais retenter autrement. Hop. Ah, ça y est, j'ai réussi. Alors donc, on va retenter l'achat. Alors, donc voici, comme on disait, donc, on est sur la divulgation donc, du Arrow, enfin plutôt l'annonce du Arrow. Et donc on est sur un chasseur monoplace, pas très grand, donc il a l'air assez frêle et avec son gros moteur à l'arrière, je pense qu'on est sur une gamme effectivement type Buccaneer. Ouais, tout à fait, hein, ça, c'est vraiment de cette gamme-là. Hein. Le profil est intéressant, hein, on voit cette. Ces ailes notamment qui vont se déployer hein, avec des missiles en dessous. Qu'est-ce qu'on a au niveau équipement? On a une sorte de tourelle au-dessus, je crois. Alors je vois pas, j'arrive pas à identifier de quelle taille elle pourrait être. Non, c'est pas une tourelle, non, ce sont des canons. Oui, non, si. Je crois qu'on distingue bien une petite tourelle automatisée sur le dos. Ça a l'air d'être du taille 2. Alors, il semble qu'on ait un problème de communication donc avec les serveurs d'Anvil, ce qui empêche les transactions de pouvoir être faites, notamment avec le Arrow. Donc, je sais pas si ça concerne uniquement ce modèle ou si les autres vaisseaux sont achetables. Eh ben, ça va être le moment d'aller, du coup, faire le tour un peu de ce salon, de ce magnifique salon. Donc, c'est vraiment superbe. Donc on retrouve effectivement toutes les gammes Hornet. Hein. Hornet, ouais, tout à fait. Donc là, un super Hornet. Hein. Donc le biplace. C'est gigantesque. Donc en direct du hall des expositions de leur ville. Ah, c'est vraiment bien foutu. Honnêtement, on sera vraiment dans un salon. Au Tissa Spaceport. Hein. N'hésitez pas à venir nombreux. L'entrée est gratuite. On parlera pas des consommations.
Alors voilà. Le Valkyrie est un droit devant. Effectivement, j'ai devant nous le Valkyrie, le dernier né de la gamme, la marque Anvil Aerospace. Donc qui est dans la catégorie dropship. Alors effectivement, le souci de communication vers les serveurs d'Anvil semble affecter tous les vaisseaux du salon. Oui, je pense que Robert Space Industries et Anvil ne tarderont pas à, à réparer et à remettre tout ça d'aplomb. Espérons-le. Donc voilà, donc le Valkyrie, hein, catégorie dropship, quadrimoteur, qui est vraiment qui peut embarquer pas loin d'une, d'une vingtaine de personnes. Hein. Donc l'arma, je pense que c'est un peu plus ton rayon, le Valkyrie. Bah c'est ça, tout à fait. Donc ouais, effectivement, on a 20 places pour des hommes en dessous du coup du pont où on va retrouver des remote tourelles. Donc ça, c'est vraiment excellent parce qu'elles sont vraiment bien foutues et tirées avec. C'est vraiment simple et plaisant. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut sur l'écran et ça va tout seul. Donc il a quand même une force de frappe qui est assez impressionnante parce que quand on regarde, on a quand même le pilote qui a deux Gatling. Ensuite, on a une tourelle au-dessus pour une autre personne et une tourelle en dessous avec exactement le même armement. Donc on est déjà sur 6 Gatling, plus les deux remote tourelles sur les côtés et sans oublier les sortes de petites sulfateuses qu'on peut activer depuis l'intérieur en ouvrant les trappes sur les côtés. Donc ça reste un vaisseau qui a une puissance de feu vraiment intéressante. Oui, magnifique. Alors principalement axé sur du balistique, hein, ce qu'on peut voir. Voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment quand même plus pour de l'infanterie et du combat terrestre. Hein. C'est ça, du support au niveau de l'infanterie. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a donc le F7C Tracker, là. Ok. Alors effectivement, là, on a le Tracker. Donc, qui est un vaisseau de reconnaissance hein, principalement. Hein. Qui avait son antenne, son dôme, son radar. Alors, si on se dirige un peu par ici, on arrive chez les explorateurs avec. Donc, c'est ça, donc le Terrapin. Hein. Le Terrapin, on en parlait tout à l'heure. Hein, qui est donc vaisseau de reconnaissance. De reconnaissance, de radar, enfin il peut de scan, hein, donc qui a ce côté multi-rôle hein, qui peut effectivement pour les militaires et le petit la petite tortue qu'on envoie en reconnaissance, mais pour les entreprises telles que la TIEC, donc qui vient en renfort des prospecteurs dans la prospection des champs, hein, des terrains minables, hein, tout simplement. Alors nous avons des individus assez étranges dans ce salon, hein, des gens qui sont en caleçon. Ah oui. Là, il faut tout pour faire un univers. Mais que fait la sécurité ? On se le demande. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Donc le Hurricane. Hein. Voilà, donc le dernier chasseur lourd de d'Anvil Aerospace, hein, qui est clairement une machine à combattre des vaisseaux capitaux, hein, ou des vaisseaux de type corvette. Avec, ouais, donc, surarmé. Hein. Exactement, donc un vaisseau qui intéresse principalement les entreprises de sécurité ou d'escorte. Avec ça, les Vrandoules n'ont qu'à bien se tenir. Tout à fait. Effectivement, le Hurricane, donc biplace, hein, et avec cette tourelle très puissante, cette tourelle dorsale. Hein. Mais nous avons une deuxième annonce qui est présentée ici en direct. Hein. Nous avons le Anvil Hawk. Le Hawk, tout à fait. Donc pour très sympa. Hein. Pour ceux qui l'ignorent, le Anvil Hawk est le chasseur des chasseurs de primes, justement. C'est l'outil des chasseurs de primes avec sa capacité à posséder une cellule à l'arrière. Donc il permet d'enfermer n'importe quel contrebandier. Ou individu, effectivement, qui ne respecterait pas vraiment la loi. Est-ce qu'il est visitable hein? Est-ce que tu peux t'approcher? Je ne crois pas, l'item 2.0 ne fonctionne pas dessus. Et bah, c'est une belle démonstration. Hein. Comme d'habitude, hein, Robert Space Industries sait surprendre son public. Hein. C'est ça. Donc, il y a un vaisseau avec un design très particulier.
C'est vrai qu'il est assez atypique, hein, surtout au niveau du cockpit. On a une sorte de vue plongeante, en fait. Ouais, alors on se doute bien que effectivement les ailes vont être déployables. Belle mécanique. Alors, monsieur, excusez-moi. On remet la caméra sur l'épaule. Voilà. Ouais, donc le Anvil Hawk aussi qui est en démonstration. Et à l'évidence, un monsieur qui a un peu trop chaud. Est-ce qu'on reconnaît tout de suite. Ah, monsieur vient de s'habiller, fort aimable. Donc, on reconnaît effectivement le design de Anvil hein, avec ses bouches. Ses bouches d'aération, ses prises d'air des moteurs très particulières et vraiment propres à Anvil et ses cockpits très carrés. Chose qu'on a déjà pu voir sur le Valkyrie. Donc le Anvil Hawk qui a tiens une espèce de tourelle là en dessous qui est un peu particulière, hein, qui change. Hein. Ah oui, j'avais pas remarqué, voilà, effectivement. Donc, les points de fixation, les points d'accroche des armes hein, qui changent. Hein, c'est nouveau. C'est peu commun ça. Hein. Exactement. Donc, très joli design pour le Hawk. Messieurs. Oui. Oui, puis faire une petite parenthèse. Bien sûr. Bien sûr. Quelque chose d'absolument cocasse vient de se passer. On vient d'arriver du coup à Lorville avec Lolo. Et la sécurité a tué Lolo et moi j'ai pris cher, mais j'ai réussi à me soigner et à me partir avec l'ascenseur. Mais la sécurité nous a tiré dessus et. On a perdu. Vous avez bien vos badges pour rentrer. Il faut montrer pas de blanche. Donc, si vous trimballez un résidu de Krimstad parce que vous êtes mis en double fil sur Port Olissard, d'abord il sera pas affiché en haut à droite puisqu'il n'est il se met plus à jour. Donc tu trimballes ton Krimstad, mais d'ailleurs il te l'affiche pas. Et donc et par contre, effectivement, là, c'est avec le salon actuel, bon, la sécurité est un petit peu sur les dents. Ah ouais, elles sont sur les nerfs. Ouais. Personnellement, j'ai un Krimstat et ça ne m'a pas empêché d'accéder au salon. Alors, si c'est une barre, je crois que ça va. Si vous en une avez, barre, ça passe peut-être. Ouais. Ouais. Mais si vous êtes full, effectivement, la sécurité vous flingue. Ah ah. On peut entendre le son des vaisseaux. Et si on allait voir un petit peu la démonstration du terrapin, on entend du son quand on s'approche de lui. Effectivement. Non, rien de nouveau à l'intérieur. Hein. Ah, me voici. Et bienvenue au salon. Oh là là, c'est superbe. Merci, merci. Voilà, donc magnifique salon de Anvil, donc l'Intergalactic Aerospace Expo avec l'invité d'honneur pour aujourd'hui, Anvil. Alors, je vais retourner. On va continuer le petit tour au fond là-bas, on n'a pas été, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Effectivement, donc on va aller voir ça. La déco est absolument. C'est génial! C'est grandiose, hein. On se croirait vraiment à. Ah ouais, salon quoi. Salon universel du vaisseau spatial. C'est absolument incroyable en effet. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'en donne des frissons. Ah c'est... idem. J'ai hâte de voir aussi ce qu'on va avoir les prochains jours. Ah ouais, parce que là ça commence très 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 fort. Hein. Donc évidemment, la KEC couvrira l'événement, hein, c'est chaque constructeur. Alors du coup, oui, je pense qu'on va essayer de streamer un maximum de cette semaine consacrée donc au Intergalactic Aerospace. Donc pour vous présenter toutes les gammes, hein, tous les vaisseaux, tous les constructeurs qui seront présents sur ce salon. Alors, je t'interromps deux minutes. Là, nous sommes sur le Gladiator, vaisseau plutôt rare qu'on voit, qu'on croise pas souvent dans les environs d'Olissar ou d'Hearthstone, qui est donc un chasseur porteur de missiles, hein. Donc bombardier léger.
assez reconnaissable avec sa perche à l'avant là. Totalement reconnaissable et avec un design assez atypique hein, qui varie un petit peu des autres designs de Hornwheel. Toutefois, on reconnaît tout de suite que c'est du Hornwheel. Ça, faut ah, tout à fait, ça c'est indéniable. Hein. Faut leur laisser, ils sont quand même, ils sont restés, ils sont vraiment restés dans leur, dans ce qu'ils savent faire. Toujours ces entrées d'air particulières à Hornwheel. Et je crois qu'il est équipé de torpille taille 5. Je pense aussi que c'est du taille 5, ouais. Ah si oui, je m'abuse, c'est ça. Voilà, c'est... Des belles torpilles, hein, celle-là. Ah, il est magnifique. Ah, mais ce serait pas le concept du, F7A ? Mais si, tout à fait. Alors, oh là là. Qu'avons-nous là ? Oh, il est sublime. C'était son concept originel ? Ou c'est le nouveau concept ? Ben, je crois que c'est le nouveau. Mais magnifique. Il est disponible ? Ah non, celui-là on peut pas... Non, il est pas disponible, mais on le voit pour la première fois. Très beau concept. Alors, on retrouve du F7C, hein, ça c'est clair. Et magnifique. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on est au salon de l'Orville à l'Intergalactique Aerospace et aujourd'hui c'est Hornwheel et ils arrivent encore à nous surprendre puisque nous avons pu voir déjà effectivement le Arrow mais aussi le, Arrow, ouais. Hawk. Le Hawk et là nous avons aussi le F8. Le F7A ? Non le F8. Le F7A c'est le F8, est à côté mais oh à côté là. On a le F8. Ah j'avais pas vu le F8 à côté effectivement. Oh là là c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est si je puis me permettre salement armé quand même. Ah il est ouais. Magnifique. Oh là 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 là. Oh ah, là là. Il est vraiment énervé oh. Celui-là. On reconnaît à son nez que c'est du Hornwheel. Par contre, le reste. Ah c'est un design totalement novateur hein, honnêtement. Totalement. C'est un monoplace ou c'est un biplace? Alors, ça a l'air d'être, en tout cas, si c'est pas un... Je pense que c'est un monoplace dans le cockpit, peut-être un bi, mais il y a une tourelle derrière, et ça a pas l'air d'être une tourelle automatique. Que de surprises hein, sur ce salon, honnêtement, bravo, hein, bravo RSI, bravo CIG, parce que là, on s'attendait pas à voir tout ça. Oh, t'as vu la taille, c'est quoi? C'est du taille 3, taille 3, taille 4, là, sous les ailes, hein, c'est... Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'on... Il me semble que c'est le M7A... Ça doit être un M7A celui-là. Qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Ah là, ouais. Absolument magnifique. Ah, puis à l'avant, hein. Il me semble que c'est du Apocalyptic Arms, hein, les deux Gatling là, sous le nez. Ah oh, ouais. Absolument superbe. Belle machine. Hein. Très beau vaisseau. Alors là, Hornwheel nous a vraiment pris par surprise parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à voir des modèles. Alors est-ce que ça augure quelque chose de bon pour les autres constructeurs? Est-ce qu'on va avoir d'autres surprises de la part des autres constructeurs présents sur ce salon pendant toute cette semaine? Eh bien, selon vous. On l'espère. Ah oh bah je pense que c'est bien entamé là, effectivement. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que CIG n'avait fait aucune communication sur le statut d'avancement de ces vaisseaux, hein, donc du Arrow, du Hawk et du F8, et on voit qu'ils sont ils sont une game, donc c'est superbe. Alors, en fait, parfaitement d'accord. Alors pour le F8, on se doutait qu'il était prêt puisque ils avaient communiqué à son sujet en disant qu'ils en avaient besoin pour Squadron 42. Et donc on savait qu'il était prêt. Maintenant on savait aussi qu'il n'était pas in-game, ça c'est clair. Et donc on savait qu'il était dispo. En revanche pour le F7A et le Hawk, eh ben on ne savait pas. Alors le Hawk, si je crois qu'ils en avaient vite fait très rapidement parler, donc on savait qu'il bossait un peu dessus, mais on n'en savait pas plus. Le F7A c'est par contre, on n'avait aucune nouvelle. Hein. Donc voilà, le F7A de Hornwheel Aerospace hein, qui a un design plus profilé, plus joli, c'est moins carré.
C'est vrai, c'est moins carré. Ouais. On retrouve ce qu'ils ont mis au point avec le Hurricane sous les ailes, hein, les petites winglets à l'envers. Et que serait un Hornet sans cette petite Gatling, hein. Évidemment. Alors, et malheureusement, on ne peut pas le visiter celui-là. Alors, il reste probablement des choses à terminer hein, sur ces modèles d'exposition. C'est probablement pour ça qu'on ne peut pas les visiter, mais je pense qu'ils seront disponibles in-game dans peu de temps. Hein. Assez rapidement, ouais. Je pense que s'ils sont présents là sur le salon, c'est qu'on pourra les acheter. Très jolie fresque du terrapin là-bas. Ah oui, ouais, sympa. Voilà, donc quand RSI fait un salon, il se fout pas de votre gueule. Et ils sont à l'heure. Honnêtement, ils sont à l'heure. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que ça arrive rarement, hein, faut le dire, chez CIG. Mais là, pour l'occasion, ils ont fait l'effort et ça a très bien fonctionné. Exactement, c'est vrai que là, ils sont particulièrement à l'heure. Donc, ils sont capables, effectivement, de pousser des événements in-game. Bien sûr. Alors je suis assez curieux de savoir dans quelle partie de leur ville se trouve notre hangar, puisque donc on y était. Mais je crois que c'est un hangar de vol, si on regarde au plafond, oh, peut-être pas, non. Ah, voilà, non, je crois pas. Hein. Non, je sais pas, on sait pas exactement en dessous de quoi il se trouve, mais voilà, allez, on doit être techniquement dans le secteur de l'aéroport. On va revenir un peu sur l'annonce sur le phare de ce salon qui est donc le Arrow. Alors, est-ce qu'il va y avoir des petits fours? Ça, c'est la grande question. Ah, on voit la mécanique des ailes, donc quelqu'un a réussi à grimper dedans apparemment. Affirmatif, ouais. Exactement, donc si un autre visiteur pouvait... Alors la place est libérée, si vous voulez y aller Néo, c'est votre tour, allez-y, profitez-en, je bloque la file. Non, vas-y, puisque moi j'ai besoin de filmer l'animation. Alors je vais attendre que l'individu sorte. Battez-vous. Je suis devant, je suis aux premières loges. Ah, il y en a un tricheur qui a sauté. C'est moi. Il y a un tricheur qui a sauté la rambarde de sécurité. Du coup, je vais vous montrer ça. Alors. Oh là là. Donc, on retrouve une petite tourelle téléguidée sur le dos. Et. Ah ouais, sympa. Très belle animation. Très belle animation, oui. Des ailes et des trains d'atterrissage. Allez, je libère ma place. Profitez-en, Léo, pour aller voir le cockpit, peut-être. Ah, on va aller voir ça. Voilà, je descends. Comme ça, en exclusivité sur le stream KEC, vous allez pouvoir monter à l'intérieur. Donc, de Landville Arrow. Si je me fais pas, je rave la place. Il est vraiment beau. Hein. Ça. Yeah.
Et voilà, c'est bon, on y arrive. Et bienvenue donc à bord du Arrow. Ouais, donc on retrouve une console assez similaire à ce qui se fait chez Anvil. Ouais, mais elle est bien léchée celle-là. Hein. C'est, ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt propre. Sympa. Alors j'aime bien ces deux écrans qui sont séparés sans aucune bordure, ça c'est vraiment génial. Oui, c'est technologie qu'on retrouve aussi un peu sur le Mustang. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Alors, très belle avionique. Hein. On y retrouve tout, notre star map. Alors, quelles sont encore les options qu'ils ont pu rajouter? Comme d'habitude, on a toujours possibilité de s'éjecter. Voilà, off, on. Ah non, je voulais pas arrêter le ship. Alors, ne tentez pas l'éjection, Néo, je pense que ça serait inconvenu. Oui, je resterai de me cogner assez vite. Bon, bien, moi, messieurs, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve plus tard. Et ok, ben, ça marche. Allez, à plus. Mais à plus, Arma. Et voilà, donc. Magnifique vaisseau. Ah, alors pourquoi j'ai plus l'avionique? Ah, la Power Run. Très joli vaisseau. On va ressortir. Mais c'est vraiment une très très bonne idée de faire un salon comme ça du vaisseau spatial. Ah bah honnêtement, on est allé de surprise en surprise aujourd'hui et on ne peut que remercier CIG pour ça. C'était vraiment un super salon. Ah, j'ai quand même envie de refaire un petit tour vers le F8 et le F7A. Allons-y. C'est vrai que ces deux vaisseaux nous ont vraiment surpris en fait, on s'attendait pas à les voir du tout et nous nous sommes retrouvés devant donc le F7A et le F8 à sa gauche. C'était vraiment impressionnant. Et surtout pas prévu, c'est ça qui est beau. Pas prévu, hein. Ah ouais, super surprise. Vraiment hâte de voir ce que les autres marques vont nous montrer. Moi, j'ai encore de la place hein, dans ce hangar. Hein. Là, on a Anvil Aerospace qui, avec l'ensemble de sa gamme, ne peut pas en tout remplir. Mais ce n'est pas un constructeur de gros vaisseaux. Je suis curieux de voir ce que Aegis ou Misk utilisera. Bah voyons déjà ce que va nous proposer RSI demain. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on va aussi avoir droit à quelques surprises. Parce que là, est-ce qu'ils vont réussir à faire tenir toute leur gamme de constellations dans le hangar? Alors, regardez sur votre gauche, on a encore des espaces qui ne sont pas encore alloués, hein, qui sont actuellement fermés, mais qui seront probablement déployés pour les autres constructeurs, oui. Notamment... Tout à fait, derrière les panneaux, c'est effectivement c'est à toute cette place que je faisais allusion. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y aura la place pour accueillir... la gamme Constellation, la gamme Starfarer chez Misk. Chez Drake, on aura le droit, je pense aussi au Caterpillar. Hein. Espérons qu'il y ait le Pirate Edition qui soit montré également, même si on a déjà accès. Hein. Et ouais, revoici donc le superbe F7A. Ah, les sons. Ah, c'est vraiment génial. La qualité sonore de l'événement, c'est. On a vraiment l'impression d'entendre des petits haut-parleurs près du stand. Très intéressant, vraiment le design du F7A, c'est...
on voit qu'ils ont fait l'effort d'arrondir les angles en fait du précédent du Hornet, du F7C. Et puis on voit le dire pareil, en revanche avec un moteur très angulaire à l'arrière. Ouais, c'est vrai, ça dénote un petit peu, mais... Très beau. Alors la spécificité, hein, c'est vrai, ce sont ces winglets là qui sont recourbés vers l'intérieur, vers le bas. Je peux malheureusement pas faire une vue encore plus au-dessus, hein. On est au taquet. Et donc à côté, la deuxième surprise, c'est le F8. Ouais, donc là on est sur quelque chose de radicalement différent, hein. Un vaisseau vraiment profilé, on pourrait même dire un vaisseau qui sera probablement moins repérable facilement au scan, je pense, du fait de son profil. Oui, il doit avoir sûrement ce qu'on retrouve un peu chez les sabres, hein. Il doit avoir quelques capacités furtives. Hein. Mm-hmm. Donc là, niveau armement, il y a du très très lourd. Hein. Très très beau. Est-ce qu'il y a des coulisses derrière? Eh non, il n'y a rien. Je cherchais des petits fours. Je sais que Néo, vous êtes un grand amateur de petits fours, mais je crois que malheureusement aujourd'hui, vous allez devoir vous résigner. Il n'y aura pas de petits fours. Ah, c'est malheureux. Très très beau vaisseau. Alors il n'est pas visitable, hein, celui-ci comme les autres là. D'ailleurs on voit bien avec les petites barrières boucles, hein, qu'on n'est pas censé approcher, mais le monsieur là-bas au fond a pas dû le comprendre. Merci de casser mon immersion, enfoiré. Effectivement, il est vraiment superbe. Alors du coup, quid de l'intégration in-game, ça... Ça, on n'en sait pas plus, hein, mais... C'est la grande question. Mais au moins, on voit que les modèles sont prêts. Alors, pour les derniers qui sont arrivés, effectivement, là, on a donc, toujours sur le salon intergalactique aerospace, et on a de bonnes surprises, c'est-à-dire qu'effectivement, on a alors le Arrow qui est présenté, mais qui n'était pas vraiment une surprise. En revanche, c'est le Hawk, le F8 et le F7A qui sont en présentation. Alors, non utilisables, non louables, mais les modèles sont présents et ça nous donne un très bon aperçu de ce que vont être ces vaisseaux. Ça, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que le cockpit est grand, je me demande si... C'est pour ça que je me suis posé la question. S'il ne serait pas biplace, ce serait chouette en tout cas. Ouais. Ce serait très très chouette. Bah, avec une toile comme ça sur le dos... Je pense honnêtement que ça sera un biplace. Ouais, je pense que ça sera commandé. Ils aiment bien ça chez Envy, les cockpits biplace avec toile sur le dos, on voit bien avec le Super Hornet. C'est vrai. C'est quand même vraiment sympa. Bon voilà, je crois qu'on a quand même bien fait le tour.
Effectivement, donc voilà, ce salon dédié à Anvil hein, aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que demain, ça sera consacré à Robert Space Industries. On essaiera de faire un stream également dans la journée. Alors Néo, je sais pas si tu Alors si demain, tu seras moi, dispo, je serai pas disponible à partir de 16h. Okay. Je ne serai pas disponible. Donc faudra... D'accord. Ben, je vais essayer de. Je pense que je serai dispo. Donc j'hébergerai sur ma chaîne le stream, hein, donc Triscar hein, sur Twitch. Voilà, et puis... Également, ça sera sur la chaîne YouTube de la KEC, ça sera streamé en même temps. Exactement. Alors, on va finir avec un petit tour de l'expo et puis on va rendre l'antenne. Et merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce stream et cette première édition in-game du Salon Intergalactique Aerospace. Des bisous tout plein. Merci à tous, à bientôt.
Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made right here.